vraiment favorable vers une période de stabilité, de réussite, de succès. Avec la carte de la renommée, il est question dans cette lame que les Verseaux vont cartonner sur le plan professionnel. Vous allez devenir des personnes célèbres, connues. Il s'agit d'une grande chance de promotion et d'une grande réussite professionnelle. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Amélioration des revenus, une rentrée d'argent, stabilité financière, un poste supérieur, voire vraiment une gradation. On parle vraiment de quelqu'un qui va décrocher un poste de travail au niveau des différents structures de l'État. Ça peut être dans la police, dans la gendarmerie, dans l'armée, dans la fonction publique. En tous les cas, vous allez décrocher un poste de travail qui va vous ouvrir les portes vers de nouvelles perspectives et explorer d'autres horizons. Très belle carte d'énergie, mes chers amis. Votre carte sur le plan affectif, la sagesse. Alors, deux cartes jupitériennes pour les Verseaux. On commence super bien le mois de décembre avec la carte de la sagesse. C'est une invitation à faire preuve de sagesse dans votre situation sentimentale. Si vous passez par des moments de crise, il y a une distance qui s'est installée récemment entre vous et votre partenaire, peut-être les choses ne s'améliorent pas, il y a une dispute, un conflit, un malentendu, on vous demande de faire preuve de sagesse, d'ouvrir un dialogue, d'ouvrir une discussion à cœur et esprit ouvert avec votre partenaire afin de trouver un terrain d'entente pour améliorer la situation. La carte de sagesse annonce vraiment c'est le moment de faire preuve de raisonnement, de savoir, de connaissance. C'est le moment de trouver son harmonie et son équilibre sur le plan relationnel dont les Verseaux ont besoin. On vous parle également pour les personnes qui sont célibataires actuellement à l'heure du tirage, qu'il y a une nouvelle personne qui va apparaître dans la vie des Verseaux. Cette personne sera source de stabilité, de sérénité. Elle vous apportera l'équilibre d'ordre sentimental dont les Verseaux ont besoin. Pourquoi je vous dis ça? D'un point de vue graphique, on observe la chouette, oiseau des nuits et des ténèbres, qui symbolise la clairvoyance et le discernement. Sur au-dessus d'elle, la couronne divine qui nous parle d'un rayonnement, du pouvoir et de l'autorité. C'est une carte bénéfique. Elle est annonciatrice d'une période de chance, de bonne intuition pour se lancer dans une nouvelle aventure. Mais également, si vous êtes actuellement en couple, idem, on vous parle d'une bonne entente. Il y aura une bonne entente après une période de méditation, de réflexion, d'isolement, de renfermement, c'est le moment que les deux partenaires prennent un pas l'un vers l'autre afin d'ouvrir un dialogue serein pour mettre les choses au clair et soyez honnête avec vous-même et puis soyez honnête avec l'autre personne. Posez-vous les bonnes questions. Ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Quelles sont vos attentes et vos aspirations par rapport à cette personne? Qu'est-ce que vous attendez réellement de cette personne? Et en fonction des réponses que vous allez avoir de la part de votre partenaire, vous êtes amené, mes chers amis les Verseaux, à prendre une décision. Voilà, de construire un avenir en commun avec cette personne ou de partir, mais on se sépare à l'amiable. En tous les cas, la carte de la sagesse, vraiment, c'est une carte bénéfique. Il est de bon augure pour la suite des événements. Elle nous parle vraiment d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle personne qui va apparaître dans la vie des Verseaux, qui va enflammer votre cœur et qui va chambouler votre avenir. Une période d'entente, de sérénité, de stabilité au sein d'un couple. Votre carte, une deuxième carte sur le plan relationnel, waouh, les cartes se complètent, les cartes se comprennent, on parle de l'entente et d'un entourage sain, car il s'agit bien d'une invitation à évoluer dans un environnement sain, de se nourrir de bonnes choses et de se retrouver en famille. Vraiment, c'est une invitation, mes chers amis, les Verseaux, de renouer les liens avec vos familles. Si vous êtes actuellement loin,
Vous avez un père, une mère, un grand-père qui se trouve dans un autre pays, à l'étranger. Si vous êtes vraiment depuis un certain temps, il n'y a pas de communication, vous n'avez pas les nouvelles de vos proches, de vos amis de longues années, c'est le moment de passer un coup de fil, d'envoyer un petit coucou à votre famille pour prendre leurs nouvelles. C'est une occasion en or avec les fêtes de fin d'année et le Noël d'essayer de renouer les liens avec ses proches, ses amis et sa famille, mes chers amis. Car il s'agit vraiment de la protection, de la sérénité. C'est un appel à renouer les liens avec sa famille. Il s'agit vraiment de la grande famille, des racines et du patrimoine. Vos cartes sur le plan professionnel. L'accident. C'est une carte martienne, mes chers amis. On fait vraiment attention. Le mois de décembre, elle annonce un licenciement. On quitte un poste de travail. L'accident, c'est la dernière carte sous l'influence de la planète Mars, la planète rouge, qui annonce un bouleversement, un choc, un événement brusque qui change négativement une situation. Ça peut être une démission, vous quittez un poste de travail pour y aller vers autre chose, comme on voit sur la carte. La foudre qui frappe la tour, tout effondrait, même l'arbre est touché. Ça nous rappelle la carte de la maison Dieu dans les arcanes majeures de Tarot de Marseille, c'est la même chose. Vraiment, c'est un événement vraiment brusque, c'est un choc qui vient vous secouer, mais cette situation s'avère bénéfique, car elle vous permet de s'ouvrir vers de nouvelles perspectives. C'est pas parce qu'on quitte une situation, c'est parce qu'on démissionne, c'est pas parce qu'on quitte un poste de travail, c'est pas parce qu'il y a un projet professionnel qui a échoué, c'est que c'est la fin, pas du tout. Sur le plan professionnel, vraiment, il y a une décision qui sera annoncée durant le mois de décembre de quitter, peut-être c'est votre volonté, c'est une décision que vous allez prendre vous-même pour quitter une situation qui ne vous convient pas. Voilà, il n'y a pas une évolution, il n'y a pas d'amélioration, les choses ne progressent pas, ne s'améliorent pas, le salaire ne répond pas à vos besoins, et du coup vous décidez de poser la lettre de démission durant le mois de décembre, de claquer la porte et de partir s'ouvrir vers de nouvelles perspectives. Deuxième carte sur le plan professionnel, le feu. Alors là, j'ai rien à dire. J'ai deux cartes martiennes. Et les deux cartes, 38 et 37. Vous quittez une situation professionnelle car il y a une ambiance toxique, un entourage malsain, il y a de la concurrence, il y a de la dualité, il y a de la tension, il y a des affrontements. On voit bien sur la carte qu'on vous demande, en tous les cas, dans cette énergie, de ne rien lâcher. Si vous souhaitez rester dans ce poste de travail, avec Mars, il est important de sortir les armes et de se battre pour protéger ses arrières et défendre ses intérêts économiques. Car il y a d'autres personnes qui mènent le même projet professionnel que le vôtre. Ils sont prêts à tout pour le mener vers de nouveaux horizons. Alors, il y a des concurrents, il y a de la dualité, oui, mais c'est à vous de prendre les décisions. Moi, je vois bien que vous allez partir, car avec toutes ces énergies masculines, cette dualité, cette concurrence, vous n'allez pas rester dans ce poste de travail. Bien au contraire, vous allez partir et lâcher prise sur cette situation. Votre carte sur le plan financier. Ok, la carte de la pensée et de l'amitié. Mes chers amis, les versants financièrement, c'est pas top, c'est pas waouh. Vous avez besoin d'être soutenu. Vous avez besoin d'un geste, d'une aide financière. Car avec la carte de la pensée et de l'amitié, que l'on parle vraiment d'une situation financière, ce n'est pas une situation terrible, mais pour le moment, voir le côté professionnel, il y a des démarches administratives qui vont coûter beaucoup cher. Il y a des dépenses, évidemment, des comptes déséquilibrés, et il n'y a pas une bonne gestion des finances. Car avec la carte de la pensée et de l'amitié, il nous rappelle vraiment, vraiment mes chers amis, j'ai la famille et la pensée de l'amitié qui vont dans le même sens. Cela évoque le besoin d'être soutenu.
J'ai besoin de ma famille, j'ai besoin de mes amis, j'ai besoin de mes collègues de travail de longues années pour m'aider à traverser cette période. Car elle tombe vraiment à côté de la famille. La carte porte le chiffre 8. Le 8 est signification d'infini, d'harmonie, d'équilibre, des énergies. D'un point de vue graphique, on observe un chien qui se trouve au-dessus d'une fleur, dont la pensée, dans le langage des fleurs, la pensée est assimilée à l'authenticité, à la fiction, à la tendresse. Il est question dans cette carte de recevoir d'un geste. J'ai besoin d'être soutenu, j'ai besoin de ma famille, de mes amis, pour m'aider à traverser cette période, cette épreuve. Voilà, vraiment il s'agit d'une épreuve. Cette illustration fait écho à une épreuve, à une situation éprouvante financièrement. Et du coup, vraiment, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Il y a un geste, soit de votre père, de votre mère, de votre ami. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive, un geste symbolique, même de votre partenaire. Comme je vous ai dit dans la carte de la sagesse, car il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie sentimentale et cette personne vous apporte du soutien, c'est important, et de l'appui, et cette personne va vous aider à traverser cette période professionnelle difficile. Une autre carte, alors là mes chers amis, l'élévation, que vous voyez bien, j'ai deux cartes martiennes et j'ai deux cartes solaires. Après la rupture, après la séparation d'un entourage malsain dans le cadre professionnel, qui a vraiment, il y a des personnes malveillantes, il y a pas de la bienveillance, il y a de la concurrence, de la dualité, il y a beaucoup de gens qui veulent le même poste de travail, il n'y a pas une amélioration, il n'y a pas d'évolution, les choses ne vont pas dans le bon sens pour vous. Financièrement, vous avez besoin d'être soutenu, vous avez besoin d'un appui, d'une aide financière, mais ça va venir. Avec la carte de l'élévation qui porte le chiffre 6, vraiment, mes chers amis, deux cartes, une qui m'annonce la fin et une autre qui m'annonce la renaissance. La carte de l'accident, c'est la fin, son retour en arrière possible. Voilà, on quitte un poste de travail, on pose les clés, on sort, on dit au revoir, merci beaucoup. La carte de l'élévation, sur le plan financier, on vous parle de l'élévation spirituelle. Comment mener son projet financier? Comment réussir son projet professionnel et le mener vers de nouveaux horizons? Comme vous voyez sur cette lame qui exprime la renaissance, c'est de renaître à nouveau après de mettre un terme sur une situation qui n'est pas bénéfique. Dans l'Égypte antique, les pyramides est un lieu de renaissance. La mort n'est que le commencement d'une vie, une nouvelle vie et une vie éternelle. Cette lame est bénéfique pour initier de nouveaux projets financiers. Il y aura une amélioration des revenus après une période d'attente. Il y aura une progression, les choses vont bouger, vont s'améliorer après une période de conflit, de tension, de litige, de désaccord. Les choses vont s'éclaircir. Avec cette carte, les situations s'éclaircissent, les difficultés se dissipent et les choses, la roue va tourner à nouveau dans le bon sens pour vous, mes chers amis les Verseaux. C'est tout ce qu'on a avec l'oracle de Bélin qui annonce vraiment un changement radical. Vraiment, vous allez prendre une autre direction. Moi, je vous le dis directement avec la carte de la renommée. Les choses vont commencer à s'éclaircir pour vous, vont y aller dans le bon sens pour vous à partir du printemps avec la carte Jupiter. À partir du printemps 2024, prenez les dates mars, avril, mai. Également, ce sera une coïncidence avec une nouvelle rencontre pour le printemps 2024 avec une personne qui va apparaître dans votre vie, qui vous apportera du soutien. Il y aura un licenciement, il y a quelqu'un qui va quitter son poste de travail. Ça ne me plaît pas, ça ne correspond pas à mes attentes, à mes aspirations. J'ai besoin pour le moment, vraiment, vous êtes dans une période de méditation, de réflexion, comment je vais m'en sortir pour les prochains mois sur le plan financier, mais ça va venir. Il y a déjà un projet, il y a quelque chose que vous avez dans votre tête avec la carte de l'élévation. Vous avez un projet professionnel dans votre tête. Il est temps, l'énergie, l'univers, il vous demande de sortir les outils, se mettre à l'ouvrage. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce que vous allez quitter une situation professionnelle que vraiment les portes vont se fermer, pas du tout. On quitte une situation qui n'est pas bénéfique, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir à nouveau pour vous. Avec le soleil, source de vie, de chaleur, d'action, renvoie au dynamisme,
aux énergies masculines, à la capacité de donner, de partager, à la confiance en soi. Les choses vraiment vont s'améliorer, mes chers amis, sur le plan financier après une période d'attente, de crise et de blocage. Mais c'est momentanément dans le temps. Cette situation, vraiment, dont on vous parle, c'est un événement de turbulence, d'instabilité, certes. C'est une épreuve, voire une situation éprouvante financièrement, mais s'avère bénéfique pour vous. Car ces situations, ce sont des enseignements à tirer de toutes ces expériences vécues afin de s'ouvrir vers de nouvelles perspectives. Partir loin, explorer d'autres horizons. Tout ira bien pour mes chers amis les Verseaux, car il y a une nouvelle rencontre. Je vous laisse votre carte la renommée, car vous serez des personnes célèbres, connues, dans votre futur poste de travail avec une nouvelle rencontre. Il s'agit aussi d'une personne qui occupe un poste de travail dont ça peut être dans l'état, vraiment dans l'état, avec la couronne de laurier qui nous rappelle la valorisation, la récompense méritée. Il s'agit du gain, de l'argent qui rentre après un grand effort, après un grand investissement. Vous serez récompensé pour vos efforts mérités, mais pour le moment, il y a un travail à faire. Mais vraiment, on vous annonce de bonnes choses. On va y aller voir maintenant le tarot, ce que va dire à mes chers Verseaux. C'est un tarot que j'ai pris récemment. C'est un tarot mystique avec de très belles illustrations. Mes guides, s'il vous plaît, c'est pour les Verseaux, décembre 2023. Quels sont les messages, quels sont les conseils et quels sont les prochains futurs événements? Verseau, décembre 2023, quelles sont vos énergies? Allez, votre carte d'énergie générale. Alors là, mes chers amis, quand je vous dis mes cartes ne se trompent pas, c'est que il y a un message quand les cartes, on mélange les cartes et on a, j'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit devant vous, que la carte de l'accident, elle nous rappelle la carte de la tour, la maison Dieu. Il y a un effondrement, il y a quelque chose qui se termine dans la vie des Verseaux. Regardez-moi ces deux cartes, mes chers amis. Est-ce que c'est du hasard? Non, c'est un message de l'univers pour mes chers amis, les Verseaux, côte à côte. Je vais laisser comme ça pour que vous puissiez voir. La carte de la tour, elle m'annonce un événement vraiment brusque, un choc, une situation qui change vraiment rapidement dans le temps, qui vient. Là, on parle vraiment du professionnel. Vous allez quitter un poste de travail. Vous allez quitter une situation financièrement, professionnellement, qui vous ne convient pas. Il est temps pour vous, parce que si vous commencez à vous persister, à dire non, je vais mettre mon énergie pour garder ce poste de travail, ça ne sert à rien du tout. L'énergie vous demande d'accepter ce changement, d'accueillir cette évolution avec sérénité, parce qu'il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Et cette nouvelle porte, elle vous apporte la sérénité, la stabilité financière à long terme. Mais il est temps pour vous, mes chers amis, de vous secouer un petit peu, de vous mettre dans l'énergie afin de vous sortir. C'est vrai que la carte nous parle vraiment de quelqu'un, qu'on rentre chez quelqu'un pour le sortir de chez lui la nuit, brusquement, brutalement. Ça fait mal, c'est pas bien, mais cette situation s'avère bénéfique. On continue. Ah, le valet d'épée. Mes chers amis, les Verseaux, quand je fais un tirage pour les Verseaux, j'ai besoin d'une carte de signe astrologique, signe solaire. C'est la carte des Verseaux, balance et gémeaux. Le valet d'épée, il parle des communications. Regardez-moi, des messages. Vous avez déjà des idées en tête. Il y a des choses qui vont arriver, comme vous voyez sur cette lame, qui annonce une période de réflexion, d'analyse, de méditation, d'introspection après cet effondrement, après cette séparation, après cette fin. Car la fin n'est que le commencement d'une nouvelle vie. Cette porte qui se ferme, cette maison qui s'explose, c'est bon, on sait tout, on sait ce qui se passe, le poste ne nous convient pas, il y a un entourage malsain, il y a une ambiance toxique, mais c'est le moment d'accorder davantage de temps pour vous, pour avoir les idées claires avec le valet d'épée, pour réfléchir avec un détachement, le sang-froid, éviter les débordements émotionnels. Il est temps pour vous, mes chers amis,
d'accorder davantage du temps.
les conseils ne seront pas donnés n'importe comment, n'importe où. C'est trois conseils. Conseil d'entreprise, ce que vous devez entreprendre dans vos futures relations. Deuxième conseil, c'est conseil de conservation, ce que vous devez conserver dans actuellement. Vraiment, la carte vous encourage à continuer dans cette voie. La troisième carte, ce sera une carte d'abandon. Vraiment, quelque chose à transformer, voire à abandonner. Allez, décembre...
carte lunaire. On fait vraiment attention. Ça peut être début décembre, une période d'instabilité, car il y a des émotions, des sentiments qui refont surface. Il y a des souvenirs du passé qui reviennent et cette situation, elle peut nous plonger dans le passé. Vous serez prisonnier du passé. Faites attention, car cette illustration, elle nous parle, elle renvoie aux aléas de la vie, aux eaux calmes, à la tempête. Car le bateau qui est parti de son port de détachement, pour le moment, elle n'est pas arrivée à sa destination. Elle est toujours en traversée. Et du moment qu'elle est en traversée, on ne sait pas ce qui nous attend. Parfois, le bateau il n'arrivera jamais. Et cette carte, on n'oublie pas qu'elle a été dessinée entre 1840 et 1860 par le plus grand voyant de son époque pour montrer les personnes, les hommes, les femmes d'Europe qui sont partis à la quête d'une meilleure vie en Amérique, en Afrique du Nord. Parfois, les personnes quittent tout ce qu'elles ont. Parfois, elles n'ont pas grand-chose afin d'y aller construire une autre vie ailleurs. Et parfois, ils n'arriveront jamais. Cette carte, parfaitement, elle répond à cette situation pour début décembre. Ça va être des questionnements, une période d'attente, de réflexion, de méditation. Il y aura des hauts, des bas. Si vous êtes en relation avec quelqu'un, il y aura des questionnements sur l'avenir de cette relation. Est-ce qu'il y aura un aboutissement? Il y a des doutes. C'est pas clair. Parce que c'est une carte lunaire. Et la lune, comme je vous dis, mes chers amis, se rapporte toujours à l'inconscient, à l'intériorité, au sentiment avec l'eau. Ça sera une période d'instabilité, certes, car vous plongez, vous voyagez avec vos questionnements. Vous cherchez à répondre à toutes les questions d'ordre sentimental. Qu'est-ce qu'elle veut cette personne? Quelles sont vos aspirations, vos attentes? Est-ce qu'on est fait l'un pour l'autre? Est-ce qu'il y aura un aboutissement? En tout cas, début décembre, ça sera une période d'instabilité où il y aura des hauts ou des bas. Parfois, on est bien, parfois, on n'est pas bien. Mais on se demande que sera l'avenir de cette relation du moment que le bateau elle est en traversée. Et la carte renvoie, comme je vous dis, aux aléas de la vie, aux eaux calmes et aux tempêtes. Votre carte sentimentale mi-décembre. Aïe, j'adore mes chers amis. Après une période de réflexion, de méditation, d'attente, des doutes, des sentiments flous, de blocage, je me plonge dans l'univers des sentiments, des émotions afin de savoir ce que je veux réellement de cette personne. Et il y a une femme qui rentre dans la vie. On l'a vu avec l'oracle, avec la carte jupitérienne. L'étoile de la femme, mes chers amis, si vous êtes un homme qui me regarde, mi-décembre, il y a une femme qui rentre dans votre vie. Cette femme est source de compatibilité, de soutien, de sécurité et de sérénité. Car elle est guidée par l'étoile de l'univers. L'étoile porteuse d'espérance et de protection. Vous êtes protégés et guidés, mes chers amis, les Verseaux. Si vous êtes une femme qui me regarde, ça peut être une énergie féminine qui rentre dans votre vie. Ça peut être votre mère, votre grand-mère, une petite amie, une petite copine. Cette femme sera source de soutien et de stabilité à long terme. Que sera l'avenir des Verseaux sur le plan sentimental la fin décembre? Aïe, les nouvelles, mes chers amis. Il y aura un aboutissement. Il y aura quelque chose. Comme on est sur un tirage général, je vais vous donner les messages de cette carte et c'est à vous. Et l'étoile est répétée deux fois. Mi-décembre et fin décembre. Vous êtes protégés et guidés. En tous les cas, ne vous inquiétez pas, mes chers amis, les Verseaux. Le petit oiseau blanc, le messager divin qui fait le lien entre la terre et le ciel, il tient dans son bec une enveloppe. Il s'agit d'une réponse, d'un message, qu'elle soit orale ou écrite, en tous les cas, ces événements qui vont arriver fin décembre vers les Verseaux vont chambouler votre avenir, vont modifier votre façon de voir les choses, vos objectifs et vos buts. Car il s'agit bien, pour les personnes séparées, où il y a une distance qui s'est installée récemment, il s'agit d'un déclic inattendu de la part d'une personne du passé. Cette personne a pris conscience qu'elle doit reprendre le fil de la communication avec vous. Ça peut être un ex, votre ex-femme, votre petite amie,
quelqu'un qui est parti de votre vie, voilà, on est séparés, chacun a fait sa vie. Il y a un message, ça peut être pour vous souhaiter un joyeux Noël, une bonne fête de fin d'année. En tous les cas, avec l'étoile, porteuse d'espérance et de protection, vous êtes protégé, guidé deux fois. Il y a un message qui arrive vers vous. On parle vraiment d'une prise de conscience, des sentiments dévoilés, des choses qui vont arriver pour vous éclaircir votre situation. On l'a vu avec début décembre avec les flous, les sentiments flous, les doutes. On se pose des questions sur l'avenir de cette relation. On a dit mi-décembre, il y a quelqu'un qui rentre et à la fin, il y a un retour. Il y a un retour du passé, mais aussi il y a des messages et des communications qui vont arriver pour mettre les idées claires, pour mettre les choses claires pour mes chers amis, les Verseaux. Mes chers amis, les Verseaux, c'est tout ce qu'on a pour le mois de décembre 2023. Je vais terminer avec un tirage en croix. Ce sera le dernier tirage pour vous pour décembre 2023. Je vais vous voir juste sur le plan professionnel. Maintenant, sur le plan relationnel, on sait qu'il vraiment, il y a pour le début décembre, ce sera une période d'instabilité, d'attente, de réflexion, de chercher vraiment à, intérieurement des réponses aux questionnements que vous posez depuis un certain temps sur vos valeurs authentiques, ce que vous attendez de cette personne. Et une fois vous avez les réponses, vous êtes amené à prendre une décision de partir ou de rester de cette relation. En tout cas, il y a une femme qui rentre dans votre vie mi-décembre et à la fin décembre, les choses seront claires. Il y a un retour du passé, mais aussi un renouvellement des énergies pour les personnes célibataires avec qui on a vu une personne qui arrive dans la vie des Verseaux qui va enflammer votre petit cœur. Vous êtes protégé, guidé avec l'oison blanc et l'étoile qui a été répétée deux fois dans votre tirage. C'est important de le répéter. Je vais vous faire un dernier tirage, ce qu'on appelle un tirage en croix, cinq lames, pour savoir comment vous allez évoluer professionnellement. Première carte, ça sera votre énergie générale. Deuxième carte, les obstacles, les entraves, ce qui oppose à votre projet professionnel. Parce qu'on a vu sur le plan professionnel que ça ne marche pas trop, que vous allez quitter une situation, mais ce n'est pas la fin du monde. La troisième carte, ce sera le conseil à vous donner. Et la quatrième carte, c'est la réponse. Comment les Verseaux vont évoluer dans leur domaine professionnel, dans leur projet professionnel, dans leur situation matérielle et financière. Et la cinquième carte, ce sera la suite des événements. Mes guides, s'il vous plaît, comment les Verseaux vont évoluer dans leur projet professionnel. Comment les Verseaux vont évoluer sur le plan professionnel. Guide, s'il vous plaît. Comment les Verseaux vont évoluer sur le plan professionnel. Votre carte d'énergie générale. Les obstacles et les entraves. Le conseil. La réponse à la question et la suite des événements. Oh là, alors là, j'ai mélangé toutes les cartes. Vous allez me dire, moi je vous pose une question, mes chers amis, les Verseaux, la carte bleue deux fois. Vous êtes protégés, guidés. Il y a de bonnes nouvelles. Il y a un aboutissement. Il y a une suite favorable. Il y a un résultat positif à votre demande. Il y aura un succès, une réussite, une récompense. Et ça, vraiment, il y a quelque chose qui se met en place, mais vraiment, on parle de la grâce divine. Il y a une main tendue, il y a une main divine. Il y a une protection qui se met en place pour mes chers amis, les Verseaux. Ne vous inquiétez pas. Deux fois la carte bleue dans votre tirage, j'ai jamais vu ça. Alors, votre carte d'énergie générale. Oh là là, alors là, moi-même, je suis surpris. On est sur la carte de la nativité, mes chers amis. Comme son nom l'indique, la nativité, un commencement, un début, un démarrage. Il y a quelque chose qui démarre dans votre vie sur le plan professionnel. Car cette carte, influencée par le soleil, soleil source de vie, d'action, de feu, de chaleur, d'y aller de l'avant, de sortir ses outils, se mettre à l'ouvrage, elle est bénéfique, elle accorde la réussite et le succès. Ne vous inquiétez pas, il y a un nouveau démarrage dans la vie des Verseaux. Changement de poste de travail, reconversion professionnelle, un apprentissage, la garantie est là. Les obstacles. Pour le moment, c'est l'argent. On l'a vu financièrement tout à l'heure, il y a un problème, il y a un manque d'argent. Vous avez besoin d'un soutien, d'une aide financière pour traverser une période financièrement délicate. Et on l'a vu tout à l'heure avec l'oracle. Le conseil,
la découverte. Mes chers amis, si il est temps pour, il est temps de faire appel à votre sagesse. Ça fait deux fois. De faire appel à votre sagesse, à votre savoir-faire, à vos connaissances, à vos expériences du passé, afin de savoir ce qui ne colle pas, ce qui ne marche pas. La découverte, le conseil, on vous demande, avec la longue vue, c'est une invitation à y aller explorer ce qui a jusqu'à présent, qui n'est pas visible pour vous, l'inconnu. La chouette est répétée deux fois, oison des ténèbres qui symbolise le discernement, associé au chiffre 14, synonyme de chance, d'analyse, de changement, de mobilité, de liberté et d'indépendance. Et il y a des choses que vous allez découvrir, on vous demande d'y aller chercher à comprendre dans cette situation professionnelle, comprendre mieux cette situation. Vous êtes des personnes intelligentes qui ont de l'expérience, un bagage professionnel et vous savez ce qu'il faut faire pour découvrir et démasquer les personnes qui sont derrière ce changement. Au moins, vous allez prendre un autre chemin de vie, une autre voie qui correspond à vos attentes, mais c'est bien de savoir quels sont vos amis et quels sont vos ennemis. La réponse, le trafic. Mes chers amis, professionnellement, je vous le dis, dès maintenant, vous allez cartonner. Mes cartes ne se trompent pas. Comment les versants vont évoluer sur le plan professionnel et matériel, sur la carte qui a un rapport direct avec les échanges économiques, commerciaux, avec le travail, avec le domaine matériel, intellectuel et professionnel. La carte du trafic, mes chers amis, elle annonce une période favorable, une rentrée d'argent, une stabilité financière à long terme après une période d'attente. Après, car elle facilite les échanges, la circulation, la communication, comme si c'était une carte mercurienne. Mercure, planète du processus de la pensée, des études et des intellects, et de la communication, avec cette lame, avec cette planète, les choses vont débloquer, les choses vont s'améliorer, vont progresser, et la roue va tourner à nouveau dans le bon sens pour vous. La suite des événements. Aïe, 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 aïe. Mes cartes ne se trompent pas et je pèse mes mots quand je vous le dis. Il y a un démarrage. Actuellement, il y a un problème financier. Et vous allez découvrir des informations sur des personnes toxiques qui sont derrière, peut-être la séparation, vous allez quitter un poste de travail. Il y aura une suite favorable, la suite des événements, la réussite. Il ne m'a pas donné une carte des sentiments, une carte de la famille. Il a répondu, les cartes ont répondu à ma question sur le plan professionnel et m'ont donné une carte de l'argent, une carte de la réussite, une couronne de laurier à laquelle est suspendue une médaille. Cette illustration fait écho au gain, à l'argent, à la récompense, à la valorisation et à la récompense méritée. Vous serez récompensé pour vos efforts mérités, mes chers amis. Le chiffre 5, synonyme de métamorphose, de changement, de mobilité et de liberté. Vous allez prendre votre liberté, votre indépendance après une période d'attente, de blocage. Et on vous annonce, c'est une carte annonciatrice de changement favorable, d'une suite favorable. Il s'agit d'un résultat positif après de longues années, après un travail acharné, après de gros efforts fournis dans cette boîte ou dans cette entreprise. Je souhaite un joyeux Noël à toutes. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de me laisser un petit like pour le travail et d'encourager la chaîne avec un abonnement. Prenez soin de vous. À bientôt.